comment ça se passe ici, les conditions et tout? On peut dire que c'est difficile quand même. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. D'accord. Bon, les gens qui vivent ici ont mauvaises conditions ici. Mm-hmm. Parce que quand on voit ici, actuellement là où on est là, il y a des gens qui sont passés ici leur vie. Bon, il n'y a pas d'eau à laver, il n'y en a pas d'eau pour vivre. Ils vont aller chercher l'eau, non gagner l'eau. Et aussi les bagages sont tellement chers. D'accord. Tu vois, là même, bon, on est là, on n'est rien. Bon, quand on est venu ici, on vit ici, donc c'est pour aider nos camarades. D'accord. Parce qu'on ne peut pas aller là où se trouve au niveau du goudron. D'accord. Il y a des gens qui quittent ici, aller au niveau du goudron, ils ne gagnent pas de bagages. C'est à cause de ça, nous facilite la tâche, on vend ici. C'est votre boutique, non? Oui, oui, ici c'est mon boutique. D'accord. Dis-moi les prix. Par exemple, farine, combien ça coûte? Bon, farine, je me vends ça à 2 dinars comme ça. 2 dinars, d'accord. Oui. Et le... comment ça s'appelle? Spaghetti? Oui, spaghetti, je me vends ça à 500 minimes. Et le couscous? Le couscous, je me vends ça à 2 dinars. 2 dinars? Oui. Et c'est quoi ça? Ça, c'est le tamaro, tandarme. Ah, le date? Oui, le date. Oui. D'accord. Et le sucre, combien ça coûte? Ça, je me vends ça à 1 dinar. Ça, c'est fait ça à 200 grammes. 200 grammes, oui. Combien? 200 grammes, je me vends ça à 1 dinar. 200 grammes, c'est 1 dinar? 1 dinar, oui. Il y a la qualité de gaz ici, c'est gaz 1 dinar 500. Ok. Et oui. L'autre, 2 litres? Ah. Ça, la originale, je me vends ça à 3 dinars. D'accord. Oui. Et l'huile? L'huile, je me vends ça à 5 dinars. Combien? 5 dinars. 5 dinars. Un litre d'huile. D'accord. Et l'harissa, combien ça coûte? Harissa, je me vends ça à 1 dinar 500. 1 dinar 500, très bien. Et le sardine? Sardine, je me vends ça à 2 dinars. 2 dinars, oui. Ok. Et les œufs? Les œufs, il y a deux qualités de œufs. Œufs préparés ou œufs non préparés. Mm-hmm. Je me vends les œufs préparés, 1 dinar. Les œufs non préparés, je me vends ça à 400 000. Qu'est-ce que ça veut dire non préparés? C'est à vous, ils sont déjà préparés. Il faut manger ça sans aller préparer. Ah. Il y a des gens qui se grillent ça, mais moi j'ai déjà grillé ça. Par exemple, celui-là, combien ça coûte? Ça, je me vends ça à 500 000. 500 mm oui. Par pièce. Par pièce, oui. D'accord. Mm-hmm. Aussi, il y a des cigarettes, hein? Oui, oui, il y en a des cigarettes. Cigarettes, combien ça coûte? Cigarettes, ça, je vends un. C'est quoi ça? Ça, c'est Royal. Royal. Royal Business. Combien ça coûte ça? Le paquet coûte 3 dinars. 3 dinars, d'accord. Oui. Ça, c'est Royal Business Rouge. Et combien ça coûte ça? Ça coûte aussi 3 dinars. 3 dinars aussi? Oui. Non, combien ça coûte ça? Sucre. Sucre. Mètre gramme? 1 dinar. 1 dinar. Ou voilà, 200 grammes? Combien? Ça c'est 1 dinar. Ah d'accord, ça c'est 1 dinar. Oui. D'accord. Ça c'est 4 dinars. 4 dinars? Oui, paquet. Le paquet, 4 dinars. Les légumes, combien ça coûte? Bon, les légumes. Ici? Ça, on paye ça. Ça coûte 1 dinar. 1 dinar. Oui, attends, combien de pièces? 4 pièces. Oui. C'est par pièce ou par kilo? Non, c'est par kilo. Très bien. Oui. Celui-là, combien? C'est moitié? C'est moitié. D'accord. Oui. C'est 1 dinar? Oui, c'est 1 dinar. Et le poivron? Le poivron, ça aussi, je me vends ça à 1 dinar. 1 dinar aussi? Oui. D'accord. Moi, je vais aller à la marché. Ah, quand d'accord. Je vais aller à la marché, je vais donc peser. D'accord. J'amène ici et je vais à mes camarades. Uh-huh. Wow. Et l'oignon, combien? L'oignon aussi, c'est 1 dinar. Et l'autre, celui-là, c'est quoi ça? Ça, c'est piment poudre. Hein? Piment poudre. Oui. Et combien ça coûte ça? Ça aussi coûte à 1 dinar. 1 dinar aussi. Mmh. Il y a tout ici, hein? C'est ça qu'on veut. On veut pas rester, on veut partir à Lampedusa. On veut partir Lampedusa, Boza Free. Boza Free. On veut partir Lampedusa, on veut pas rester dans les étoiles. 7 mois, il y a d'autres. 9 mois, 10 mois, 8 mois. Ici, on vit pas bien. On vit pas bien. On veut sortir ici. Aidez-nous. On veut rien du tout si c'est pas ça. Salam alaikum. Comment ça se passe? Dis-moi, sous les tentes ici. Bon, nous sommes là, on ne se plaint pas. Avec le seul problème qu'on a ici, on a le problème d'eau. Ouais.
Dans la maison, il y a les ancêtres souvent qui nous piquent. Il y a les ancêtres qui nous piquent, ça nous gâte la corps. Si on pense, ça nous dommage bien, même si ce n'est pas tout est facile. Et on n'a pas l'eau à boire, l'eau qu'on boit ici, là, il faut même te laver, il faut payer. On n'a pas d'eau, on n'a pas assez de nourriture. Donc, la Tunisie, nous on sait que les Tunisiens nous accueillent bien. Ils nous accueillent bien. Tunisie, on adore la Tunisie. Parce que moi, en particulier, je peux parler communauté de tous les Blacks. Tunisie, Milia, c'est très bien. Milia, bon, il y a des difficultés. Comme? Mais, difficulté, bon, ici, il n'y a pas le travail. Ici, là, tu vas rester ici pendant toute la journée, il n'y a même pas à manger. Il faut que tu sortes, tu sais, c'est le travail, il n'y a même pas. Voilà, tu peux aller travailler, c'est quelqu'un, il va te dire peut-être combien c'est 5 par dinars. Jour? Il va te dire 5 dinars, il n'y a même pas. Il va te dire 5 dinars par jour. Tu sois obligé de travailler dans les champs. Tu travailles, tu mets le truc de caca, soit tu plantes le tomate, il te donne 5 dinars pour pouvoir manger, pour avoir un paquet de couscous pour manger. Je peux boire et tout, hein? Oui, oui, tu d'accord. Peux. Alors comment ça se passe ici? C'est difficile ou quoi? Trop difficile même. Vous-même, vous voyez la situation. Comment? Ici, voilà, on ne mange pas bien. Oui, il y a des problèmes de l'eau et tout. Problèmes de l'eau, tout. On veut partir d'Italie. Voilà. D'accord. Il y a assez de problèmes. Dis-moi, qu'est-ce que ça se passe? Quelles sont les difficultés? Il y a trop de problèmes ici, trop de difficultés. On n'arrive pas à bien manger. Trop de problèmes. Trop de vent, tout. On veut rentrer d'Italie. Voilà. La prochaine destination, c'est où? Italie. Uh-huh. Après Italie, je sais. Et j'en de sais quel plus. Pays, vous? Moi, Mali. D'accord. On veut rentrer Italie. Parler le président tunisien. C'est difficile maintenant, non? Difficile, trop de problèmes. Comment? Garde nationale, fatigué tout le monde. Laissez-nous rentrer Italie. D'accord. On est fait miskin, voilà, miskin. Italie, voilà. Il y a des problèmes ici. Trop de problèmes ici, trop de problèmes. Il n'y a pas d'argent, de nourriture. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de nourriture, voilà.